Bon, je vous dis rebonjour, mais je vous fais la deuxième partie à la suite de la première. Mais je ne pense pas que je la posterai le même jour, hein, peut-être à plusieurs jours d'écart. Donc, je vous redis bonjour. On est là pour la deuxième partie de ma sélection de jeux pour l'automne. Comme j'ai dit dans la première, j'en ai sélectionné quelques-uns parce que si j'aurais tout pris, la vidéo aurait duré très très longtemps. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même été obligée de la couper en deux parties. Alors, ben on va continuer tout de suite avec qui ? Avec lui, le Gentle Tarot de Marine de Sky que j'avais backé sur Kickstarter. Je me demande s'il n'a pas fait depuis une autre version. Voilà, avec le petit mot. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un problème avec une carte aussi. D'ailleurs, elle m'avait renvoyé un petit mot en français. Vous vous rendez compte ? En français, et elle m'avait renvoyé la carte qui était... je ne sais plus où il y avait une... Je crois que c'était pour ça, ouais. Il y avait une ligne où... Enfin, voilà, une carte qui était un peu abîmée. Et du coup, elle m'avait renvoyé la carte très gentiment. Le livre. D'ailleurs, je pense que c'est celui-là que Nicolas est en train... Enfin, voudrait traduire en français. Voilà. Le dos. La tranche. Et j'aime bien les illustrations de ce jeu. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Moi, il me fait penser à l'automne. Voilà. Parce qu'il y a peut-être des couleurs orangées parties par là. Et moi, j'aime beaucoup ce jeu. Un jeu chamanique, sont les chamans un petit peu. Hein. Avec beaucoup d'animaux aussi. Bon, on l'a plus vu tellement non plus, je trouve. Pourtant, il est si beau, regardez. C'est celle-ci qui est... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. C'est parce qu'il y avait la ligne ici, je pense. Je me souviens plus, je vous avoue. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, celui-ci. Peut-être aussi avec les bordures orange ici et ici, que ça me fait plus penser à l'automne, je ne sais pas. J'ai remonté un peu la caméra aussi pour la suite, parce que elle est belle, celle-là. Je cognais à chaque fois dedans. Voilà, donc ça, c'est le Gentle Tarot que j'ai mal remis avec son petit ruban, voilà. Bon, et du coup, la carte, je la garde dedans. Hein. C'est collector. Voilà. Bon, celui-là, par contre, je ne sais pas s'il est encore disponible ou pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Qui fait très automnal aussi. Hein. Je crois que c'est le Mystic Garden. Je ne sais plus son nom. Voilà, j'ai oublié. Mais j'aime beaucoup aussi les illustrations. Entre-temps, elle en a fait un sur Alice aussi. Enfin, elle en a fait plein. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Regardez celle-là, mais j'ai pas vraiment encore craqué. Et elle est beau, hein? Oh là 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 là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, très witchy, forcément. Hein? Voilà, bon, il aurait été bien pour Halloween aussi. Et puis ce dos est tellement beau, oh là là. Voilà, mais lui, il n'y a pas de pochon. Et je ne sais pas du tout s'il est encore disponible ou pas. C'est un auto-publié. Ensuite, ben, évidemment, obligé de vous parler de Louis. Moi, il faut aussi penser à l'automne, bien que vous savez, j'utilise tout le temps. Hein, vous le voyez maintenant dans presque toutes les guidances. C'est un de mes grands coups de cœur de cette année. C'est l'oracle message du Valhalla de Raziel et Gaïa. Voilà, le dos déjà est magnifique. J'adore son format. Ah ben c'est marrant parce qu'on tombe juste sur la carte de l'automne. Il nous fait un petit clin d'œil, voilà. Et ben j'adore ce jeu. Et je sais pas, peut-être les couleurs de certaines cartes. Un peu la forêt encore une fois aussi. Qui me fait peut-être penser à l'automne, je sais pas. Mais voilà, j'avais envie de le mettre là. Puis on se lasse pas de le regarder, il est trop beau. Ah ça, ça a été vraiment un coup de cœur phénoménal. Qui du coup m'a fait regarder la série Viking avec Ragnar, que j'avais jamais vu. J'avais regardé Last Kingdom, moi. Et j'ai bien aimé aussi, vraiment. J'étais triste quand je l'ai eu fini. C'est souvent comme ça quand on regarde des séries en 6, 7, 8 saisons. Quand on les termine, on est presque triste que c'est fini, parce qu'on se dit, mince, voilà, c'est fini, quoi. Enfin, on se comprend. Donc, le message du Valhalla. Celui-là, par contre, il me semble avoir vu qu'il en restait que quelques-uns et qu'après, il n'y en aurait plus, si j'ai bien vu.
Alors lui, que j'adore aussi, hein, à la rencontre de nos mémoires de Véronique Geoffroy et Christelle Dubois sur le château de Fougeray, avec des photos qui ont été faites au château de Fougeray. Et bien celui-là, il est trop bien aussi. Déjà, j'adore tout ce qui est fantôme, paranormal, maison hantée, etc. Donc vous pensez bien que celui-ci me le fallait. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu, mais j'ai pas encore fini le livre sur le château de Fougeray. Encore une fois, j'ai plus le temps de lire non plus. Mais c'est vrai que ce qui me reste de temps libre quand je suis pas à la formation, je le mets dans les vidéos. Voilà, c'est vraiment ma passion de partager ça avec vous. Et donc, le temps qui me reste, en général, va là-dedans. Et du coup, j'ai plus le temps de lire. Voilà, donc celui-ci aussi a eu énormément de succès, hein, franchement, et je l'adore, vraiment. Voilà, il est génial. Celui-là, c'est un mass market, il est toujours disponible. Celui-là, je l'ai pris aussi, me fait aussi penser, du coup, à l'automne. La réponse est là, de Gumino, c'est plutôt pour avoir une réponse à une question fermée, oui, non, peut-être, voilà. Mais c'est peut-être la chouette, je sais pas, je trouve tellement beau aussi celui-ci. Et puis les illustrations vont penser à l'automne, voilà. Et puis j'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Gumillot, le dos, les tranches. Et elles sont tellement belles, celle-là c'est une de mes préférées, hein. Et celle-là aussi. Moi, je les aime toutes en fait. Voilà. Il est tellement beau. Celui-là est sorti il n'y a pas si longtemps. Je l'ai voilà, celle-là, elle fait penser à l'automne. Je vous l'ai présenté, celui-là aussi. L'autre de Fougeray aussi. Enfin, il y en a plein que je vous ai présenté. Oh, celle-là, elle est belle. Et ici, on a Stéphanie. Regardez, oh, celle-là aussi, elle est belle. Elles sont toutes belles, voilà. J'adore. Celui-ci, donc, mass market aussi, hein, on trouve toujours aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On va prendre lui, hein. L'oracle, la sagesse des sorcières de Barbara Michael-John-Free et Flavia Kate Peters et illustré par Richard Crooks. J'adore cet oracle. Bon, il pourrait aussi aller pour Halloween, mais pour l'automne, il va bien aussi. Hein. Voilà, j'adore le dos. Les tranches, pareil, j'adore. Et les cartes, j'adore aussi. Par contre, j'avais eu une première version où il y avait un problème dans les tonalités de couleurs, figurez-vous. Elles paraissaient toutes délavées et je m'en suis rendu compte. Et bah, du coup, j'ai pu le changer, heureusement, parce que c'était pas beau du tout. Voilà, et bah, celui-là, on est clairement witchy, mais il me fait penser à l'automne aussi. Lui. Voilà, et je l'adore. D'ailleurs, il y en a un troisième sur la cuisine des fourneaux à la Kitchen Witchery. J'espère qu'il sera aussi traduit en français. Moi, je me fais une joie quand c'est comme ça, maintenant, l'automne, de ressortir mes jeux d'automne sur la période sombre. Évidemment, il y a tous les Lucy Cavendish que j'aurais pu ressortir, hein, que j'adore aussi. Mais bon, pas tout. Et puis, si vous voulez voir d'autres jeux que ceux-ci, il y a les vidéos des années précédentes où sont encore des différents. Hein. Si vous avez envie de voir plusieurs vidéos sur des jeux d'automne, j'en ai fait les années précédentes aussi. Et c'est des jeux peut-être pas tous différents, mais quand même une grosse partie. Bon, tant qu'on y est, on va rester dans la même personne, hein, avec l'oracle des familiers des sorcières, sur les animaux aussi des sorcières. J'adore, j'adore, j'adore aussi. Oh, ben, quoi, le petit papier. Le dos, bordure gris argenté, bon, c'est ma préférée qui est au-dessus, avec ce hérisson, j'adore les hérissons. Et celui-là aussi, je l'adore, pour l'automne, pour toute l'année, mais pour l'automne aussi. La corneille et le corbeau, elles sont belles, hein. Oh là 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 là. Le rat, j'adore. Voilà, celui-là aussi, je l'aime trop. Je vais quand même vous montrer un peu le livret. Il y a pas mal de choses, hein, pour chacun, vous voyez. Il y a beaucoup de textes, mais je l'aime beaucoup aussi. C'est ça que j'aimerais bien que le troisième soit aussi traduit. Voilà,
Mass Market, toujours dispo, et je l'ai présenté celui-là. Ensuite, deux petites boîtes que j'ai prises pour l'automne, j'aime bien. Le petit oracle de la forêt de Jessica Lee. Voilà, j'aime bien. Pour avoir un petit message, déjà le dos est trop beau. Hein. Les tranchons dorés mat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça c'est la carte. Voilà, et on a les petites cartes. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Ben voilà, on va être en plein dedans. Et c'est des petits messages automnaux aussi. Hein. Voilà. Et j'aime trop. Je les trouve trop beaux. Voilà, on peut peut-être en tirer une. Hein. Je vous en ai lu une, mais c'est pas grave. Humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Voilà. Et moi, j'aime bien les petits animaux ici au coin. Et puis, ce dos est tellement beau. Oh là là. Voilà. Celui-là, je l'ai depuis longtemps aussi. Hein. 2018. Donc, vous voyez, ça date quand même de quelques années. Voilà, chez Contredire, Mass Market, toujours dispo. Et j'ai repris celui-ci, le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et illustré par Célia. Voilà, j'adore aussi celui-là. C'est le même style. Hein. Voilà, le dos est magnifique et on a des petits animaux. J'adore l'éventail de couleurs. Et ben voilà, on a ici le message d'un animal, j'aime bien moi. Oui, c'est pas spécialement l'automne, mais allez, voilà. On va remettre et on va toujours en tirer une au hasard. Voilà. Le renard, ben voilà, le renard qui, moi, me fait justement penser à l'automne avec ses couleurs orange. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Voilà. Pour ce petit oracle des animaux de pouvoir. J'aime bien les petites boîtes, moi. Toujours dispo aussi en mass market. J'ai pris celui-là aussi. Qu'est-ce que je fais, est à l'envers, le Apollonia Oracle de Dystopia Tinta chez Arcana Sacra. Bon, moi, c'est les couleurs qui me font penser vraiment à l'automne. Voilà, il est un peu dans les couleurs sombres, les bordures sont orangées, regardez. Et moi, il me fait penser aussi à l'automne. Et oh, bah, j'aime bien. Voilà, il est très beau, très spécial, hein, original, mais moi, je l'aime bien. Il y a un peu de tout. Et j'adore le coloris, en fait, des cartes. Et je vais vous montrer le livret. Bon, je pense que cette vidéo va être plus longue pour la première. Je crois que j'ai mal estimé la coupure. Mais bon, tant pis, vous aurez une plus longue et une plus courte. Voilà. Donc, voilà pour le livret. Pas mal de choses pour chaque carte. Donc, ça, c'est aussi un mass market. Normalement, je crois qu'il est toujours disponible aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Celui-ci, voilà, le tout dernier qu'elle a fait, je n'ai pas pris le livre, j'ai oublié, l'oracle du manoir d'Iris Elinac, que j'aime beaucoup aussi. Le dos est comme ça, tout est tourné autour d'un château, d'un manoir hanté, et j'aime beaucoup, voilà. Et les illustrations font encore une fois penser à l'automne. J'aime bien le format des cartes aussi, qui est assez original, hein. Peut-être parce qu'il est plus sombre dans les illustrations, qui me fait penser à l'automne, je sais pas. Je trouve beau, j'aime bien. Bon, j'aurais pu en prendre d'autres, hein. J'aurais pu prendre le Baba Yaga, l'oracle des secrets, mais encore une fois, j'en ai sélectionné un seul pour éviter les autres. Je crois que vous les trouvez d'ailleurs dans les vidéos des années précédentes, sinon la vidéo va vraiment être trop longue. Celui-là, par contre, je sais pas si c'est toujours disponible sur sa boutique. Ensuite, celui-ci, que tout le monde connaît, le Little Ghost Oracle. Bon, celui-là, pareil, c'est toute l'année, hein, pas seulement pour l'automne ni pour Halloween. J'adore. Rien que le dos, les tranches et les illustrations avec ce vernis sélectif sur ces petits fantômes. Il est tellement... Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, peut-être pas. Non. Ça dépend de la luminosité, en fait, où on se trouve. On ne le voit pas tout le temps. Mais celui-là, je l'adore. D'ailleurs, j'ai hâte que le petit Lenormand arrive, vraiment. Bon, celui-là, il fait un peu toute saison. Hein. Il fait... Oh, celle-là, elle est belle, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous a fait comme beau jeu. Voilà. D'ailleurs, j'ai commandé la tasse avec le petit fantôme. J'ai pas pu résister. Et le livre, j'ai le côté... Non, évidemment. J'avais le côté en anglais. Voilà, il y a pas mal de choses hein, pour chaque carte. Ah, ici, c'est le tirage qu'elle propose avec à chaque fois pour connaître son jeu. J'aime bien.
Du coup, je l'ai laissé dedans. Voilà. Donc ça, c'est le Little Ghost Oracle de Célia Ménézuil. Et celui-là, il est toujours disponible sur sa boutique. Ensuite, Louis, l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Celui-là, je vous l'ai présenté. Voilà. Celui-là, je l'ai en français. Évidemment, les oracles en anglais, ça marche beaucoup moins chez moi. Parce que je ne les utilise pas, parce que je n'ai pas envie de les traduire, pas le temps. Voilà le dos, les tranches. Et j'ai déjà fait des tirages avec. D'ailleurs, je vous l'avais présenté. Je l'ai utilisé dans les guidances aussi. Et je le trouve très parlant. Et j'aime beaucoup. Je me demande même d'ailleurs si je préfère pas l'oracle au tarot. Je l'adore. Il y a beaucoup de cartes en plus. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a combien encore? 54. Et je le trouve tellement beau. Voilà, lui aussi, il est connu. J'en ai vu plein sur Vinted. D'ailleurs, il y avait des duos Oracle, Tarot, il y en avait beaucoup. Voilà ce que vous avez pour chaque carte. Donc celui-là, je l'adore. Mass Market, toujours disponible aussi. Hein. Je suis obligée de tout mettre là-devant. Bon, celui-là, évidemment, forcément, il est dans le thème de la saison. Hein, l'oracle de Mabon, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Voilà. Ça fait longtemps qu'ils ne nous en ont plus proposé un en français. Hop. Bon, lui, on est clairement dans les couleurs de saison. Hein. Les livrets de ces jeux sont incroyables. Ils sont très, très bien faits, très fournis, très intéressants. Et ben, j'adore, moi, les illustrations. Le dos, j'adore. Tranche neutre. Voilà. Bon, je sais, il me semble que ça avait fait des histoires que les tranches n'étaient pas enfin, étaient neutres et pas comme dans la version anglaise. Moi, personnellement, les tranches, je m'en fiche un peu. Voilà. Bon, lui, on est clairement dans le thème. Hein. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Mais je les aime tous, moi. Voilà. Et celui de Samhain, évidemment, il sera plutôt pour Halloween. Voilà. Donc ça, c'est Mass Market. C'est aussi toujours disponible. Je ne sais plus où les mettre. J'ai pris, lui, l'oracle de la Dame de l'Ombre du Duc Vanupier et Nick Starrow, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, c'est la version auto-publiée. J'ai la version Mass Market aussi qui est sortie depuis. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien celle-ci parce que les cartes sont plus petites. L'autre, ce sont des grandes cartes oracle et j'adore ce jeu. Voilà. C'est un style que j'adore. Très cabinet de curiosité, j'adore ça. Je l'adore. Voilà. Donc celui-là, je crois que je l'avais soutenu sur Ulule, je crois. Et on a ça pour chaque carte. Il y a quand même pas mal de choses. J'adore ce jeu. Voilà, donc lui, il est disponible en Mass Market, du coup. Le frère, l'oracle d'Oduzea. Pareil, Nick Starrow, le Duc Vanupier, qu'elle m'avait envoyé pour pouvoir le partager avec vous. J'aime beaucoup aussi, je trouve qu'il est chouette aussi pour l'automne. Pareil, je vous l'avais présenté, celui-ci. Le dos, les tranches, et j'aime beaucoup les illustrations. Oh, trop beau. Bon, il faut aimer, hein. Moi, j'adore. Sur les déesses, les dieux aussi. Il est parfait pour cette période sombre. J'adore ce qu'elle fait. Lucifer, le phénix, les valkyries. Voilà, il y en a des mots-clés ici en dessous. Ça, c'était aussi un auto-publié du coup. Et le guidebook est très riche aussi. Voilà, vous voyez pour chaque carte, il y a pas mal de choses. Hein. Voilà. On a à chaque fois beaucoup de textes, beaucoup d'explications. Il y a des tirages aussi. Il est vraiment magnifique, l'oracle d'Oduzea. Moi, celui-là, je ne sais pas du tout s'il est encore disponible, par contre. Mais je vous l'avais présenté. Comme beaucoup, j'ai ressorti le Cozy Witch Tarot d'Amanda Lovelace, que j'adore. Qui est toujours pas sorti en français. S'il sort en français, je pense que je craquerai pour la version française. Et celui-ci, ben, c'est l'automne incarné, hein, rien que le dos. Et la qualité est juste incroyable de ce jeu, franchement. Et le prix est incroyable aussi. Voilà, celle-là, c'est l'automne typiquement. Hein.
Et je l'adore aussi celui-ci, vraiment. Est-ce qu'il fait bien le focus? Je vois pas bien. Comme j'ai mis plus haut, celle-là aussi. Et il y a un petit texte ici en anglais. Moi, il ne me perturbe pas trop, vu que je ne comprends pas toujours, pas spécialement ce qui est écrit. Donc, ça ne me perturbe pas plus que ça. Voilà. J'adore ce jeu. Évidemment, celle-là, le fou. Elles ne sont pas toutes sur l'automne, hein, mais quand même, une partie. Et puis, le dos est automnal. Voilà. Et je vais vous montrer le bouc. On a quand même pas mal de choses pour chaque carte non plus. Voilà. Celui-là, j'espère vraiment qu'il sera traduit en français. Bon, sinon, il est toujours disponible à Mass Market. Voilà. Je vais commencer à en mettre sous le côté. Il ne peut plus avoir de place. J'ai pris tant que j'y étais l'oracle croit en ta propre magie qui lui a été traduit en français. Voilà. J'avais acheté, je crois, la version anglaise. Je l'ai revendue pour acheter la version française. En oracle, c'est quand même mieux. Bon, même s'il n'y a pas des masses, hein, je préfère quand même. Bon, je les ai même pas remis dans le pochon comme je l'utilise, le dos. Et j'adore ce jeu aussi. Voilà. Ce sont des petites phrases qui font du bien. Celle-là, elle est tellement belle. Ce sont des très grandes cartes, par contre. Hein, celle-ci, si je l'avais présentée. Le tarot, c'est sûr. L'oracle, je crois bien aussi. Il est beau, j'adore. Voilà, donc lui, Mass Market, toujours disponible aussi, je crois. Enfin, voilà, bon, je vais mettre par là parce que ça ne va plus aller. Évidemment, j'ai pris l'oracle des fées des lutins de Kevin Piragno, que j'adore. Celui-là aussi, il a une tonalité. Bon, je les aime tous ces jeux à Kevin, mais celui-ci, il a vraiment une tonalité automnale, je trouve. Voilà, on a le magnifique livret. Et il va bien... avec le magnifique livre qu'il a fait aussi, que j'aime beaucoup. Le gros livre d'ailleurs, que je vous ai présenté aussi. Celui-ci aussi, hein, je vous l'ai présenté. Le dos, la tranche et les illustrations. Bon, il n'est pas dans l'ordre évidemment, hein, mais il est tellement beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. J'adore, féerique. Oh, celle-là, feuille d'automne, j'adore. Il était une fée. Bon, celui-là, il est très connu aussi. Il a eu beaucoup de succès, hein, aussi. Voilà, je l'adore. L'oracle des fées et des lutins. Voilà. Pareil, hein, Mass Market, toujours disponible. Si vous voyez là, le mur que je me suis fait là. Celui-là, j'avais pris aussi l'alchimie de lumière d'Amandine Potier, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont juste trop belles. Je vais vous montrer d'abord le bouquin. Voilà, il y a beaucoup de choses pour chaque carte. Bon, ils sont toujours dans un pochon jaune doré. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme vent, c'est terrible. Hop, le dos est comme ceci. Tranche dorée et j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont pleines de douceur, je trouve. Oh, celle-là. Celui-ci, j'avais craqué et je l'avais commandé, je crois. Ouais. Bon, il fait peut-être pas spécialement automne, hein, de par les couleurs, mais moi, je trouve que je l'aime bien pour l'automne. Ouais, peut-être que c'est des couleurs un peu froides. Voilà, donc celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Alchimie de lumière. Zou. Voilà. Alors, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, d'Angélique Gell, qui a la chaîne Angie Lumière d'étoiles. Son Mystic Woods, ce qui fait bah, très automne aussi, je trouve. Très witchy. Je le trouve trop beau. Voilà. Avec un magnifique bouquin. D'ailleurs, il y a une carte de son chat qui apparemment, elle l'a perdu depuis. Et il fait trop penser à Nougat. Le dos. Tranche dorée. Et les illustrations me font penser à l'automne aussi. J'adore ce jeu, il est trop beau.
Mon trait ou tir ici, il me fait trop penser à Nougat. C'était son chat et je crois que c'est... je sais plus qui a dit qu'elle l'avait perdu, qu'il était, il était parti. Et du coup, quand il a montré la carte, je dis, oh, on dirait Nougat. Voilà, celui-là, il est trop beau aussi. Hein. Bon, j'aurais pu prendre son Lenormand aussi, hein. Le Witchy, je ne sais plus le nom. Mais je vous l'ai montré, je crois, l'année passée. Donc, celui-ci, pareil, Mass Market, toujours disponible. Ensuite, mon grand chéri d'amour, le Heartwood Tarot de Stéphanie Burrows. Bon, je vous montre juste quelques cartes. Hein. Je ne vais pas m'attarder, je l'ai déjà montré et remontré. Le dos, moi, je suis fan de ce dos. C'est l'automne, vraiment, avec cette souris. Et les illustrations. Bon, vous savez, je l'aime tellement, je l'ai acheté en double pour mettre un exemplaire de côté, au cas où. Mais celui-là, je l'aime trop, c'est mon chouchou d'amour, c'est mon tarot préféré, vraiment. Je l'ai attendu tellement avec impatience, celui-là. Et il est vraiment, je ne sais pas pourquoi, moi, il me fait encore plus... Enfin, je vais l'utiliser toute l'année, ça c'est sûr et certain, mais il me fait vraiment penser, peut-être avec la couleur de la boîte, le dos des cartes qui font très automne, c'est possible. Mais celui-là, c'est un chouchou d'amour, voilà. Zou. Et figurez-vous que Stéphanie avait regardé ma vidéo, elle avait vu que la boîte était un peu abîmée, et elle m'a fait un message pour me renvoyer une boîte sans coup. Pourtant... c'est vraiment un petit coup, moi, limite, ça me dérangeait pas plus que ça. C'est où, maintenant, qu'il était, d'ailleurs. Oui, voilà, ça se voyait presque pas, quoi. Ah, ici. Voilà. Pourtant, il était très bien emballé. Alors, bah, j'ai remis celui-ci aussi, hein. Et évidemment, l'oracle des temps mécaniques que j'adore. Il me faut aussi penser à l'automne, de par les illustrations. Voilà, de Cécile et Cédric. Le livre est incroyable, vraiment. Bon, celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, il est tout... la vidéo est sur ma chaîne, évidemment. Et j'adore. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est beau, il est beau. D'ailleurs, il vous a beaucoup plu aussi, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, lui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser beaucoup à l'automne aussi. Peut-être par les couleurs un peu brunes, orangées... J'adore, il est trop beau ce jeu, vraiment. Franchement, il est super original. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, celui-là, la présentation, elle est vraiment récente. Hein. Voilà, donc celui-ci, et le pochon de luxe, il est magnifique, je trouve. En velours, comme ça, oh, c'est tellement beau, avec les, le bouton en forme de rouage. Je trouve ça super joli, regardez. Hop, comme c'est beau. Voilà, donc celui-là est toujours disponible. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo. Et évidemment, qui dit Autumn Mist de Destiny. Hein. Moi, j'adore Destiny. Destiny, on aime ou on n'aime pas. Ceux des saisons, moi, je les adore. Il en a d'ailleurs sorti un nouveau, je crois, avec un autre dos. Moi, je ne l'ai pas racheté, hein, parce que sincèrement, Destiny sont des jeux qui coûtent un bras, presque un rein. Voilà la tranche. Et je le garde comme si j'adore. J'adore. Là, on est clairement dans l'automne. Et j'adore ces petits personnages. J'ai hâte d'avoir son petit Lenormand, d'ailleurs. C'est le seul que j'ai pris. Il y en avait un autre, un jeu d'horreur, mais il était trop sombre, trop horreur à mon goût. Je ne l'ai pas pris. J'adore le Happy Squirrel. Mais le automne Lenormand, je me suis laissé avoir. Vu que j'avais celui déjà sur le printemps. Je crois que je me laisserai avoir pour toutes les quatre saisons, en fait. Hein. Il est trop beau, j'adore. Bon, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Il était, je crois, dans ma sélection de l'année passée aussi. Hein. Voilà. Le Autumn Miss Tarot. Je ne sais pas s'il est encore dispo, celui-là, par contre. Celui-là, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il n'a rien à voir avec l'automne, mais je l'utilise tout le temps. J'adore ce petit jeu. J'adore me tirer une carte le matin avant de partir à la formation. Franchement, il met du baume au cœur. Voilà. On a des petits textes comme ça dessus. Je vous l'ai présenté aussi. Hein. Donc, il est de Michel-Ange Tarot. Je ne précise pas. Et j'adore. Bon, on va en tirer une. Tiens. Je ne vais pas vous lire ce qu'il y a dans le livret, mais ce qu'il y a sur la carte. Et je trouve que ce sont des messages qui font vraiment du bien. Voilà. Hop, hop, hop. On va prendre celle-ci. Et ça nous dit, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Prendre le risque. Voilà. Un petit message qui fait du bien.
Et je vais vous montrer, j'aime bien la boîte. Et les cartons de petite taille aussi, il est super chouette si on veut l'emporter quelque part. Et en plus, on a encore un message ici dans le livret, vous voyez. Bah voilà, le message du pont, on a encore ça en plus. Et bah, je le trouve vraiment génial, j'adore. Et apparemment, il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires qu'il avait été, il avait été publié en auto-publié, je ne savais pas du tout. Mais franchement, celui-ci, l'esprit bohème, je l'adore. Et il a un petit prix, hein, 19,90€. Voilà. Et il y a 60 cartes. Il vient juste de sortir. Toujours disponible partout. Ça, c'est un grand, grand, grand chouchou. Alors, il en reste quelques-uns. J'ai ressorti celui-là, le Become an Oracle. Deuxième édition. J'ai la première aussi, mais j'aime mieux la deuxième. Avec une belle boîte de Wassima Touaria. Wassima Magic. Je ne sais pas du tout. Si elle le, il est encore dispo celui-ci, parce que je pense qu'elle avait arrêté d'envoyer des jeux à l'international. Voilà, et on a les cartes ici, hein. Beaucoup de cartes, le dos, et j'adore ce jeu, vraiment. Il est magnifique, il y a un peu de tout. Des dieux, des déesses. Il est vraiment magnifique. Voilà, lui, j'avais envie de le ressortir aussi pour l'automne. Regardez celle-là, comme elle est belle. Je ne sais plus combien il y a de cartes, mais beaucoup. Je vais vous le dire à la fin. Oh, celle-là aussi, elle est tellement belle. 69, voilà. Et on a le livre avec. Donc celui-là, mais la deuxième version est mieux. Je me demande même s'il n'y a pas des cartes en plus dans la deuxième version. Je ne sais plus. Voilà. Donc celui-là, ça c'est un auto-publié. Du coup, bon, je ne sais plus où je vais le mettre. Ensuite, j'ai repris le chemin du Gumiho parce que j'adore les renards et parce qu'il me fait vraiment penser à l'automne, celui-là. De, ben, encore une fois, Stéphanie, message du Gumiho. Le dos, d'ailleurs, vous voyez souvent le tapis noir quand je fais des photos avec le renard. Il y a une personne d'ailleurs qui m'avait demandé il n'y a pas longtemps d'où il venait parce qu'elle avait envie de se le procurer. Et il était encore disponible sur le site de Stéphanie. Voilà, avec ce petit renard. Et puis la forêt, encore une fois, les couleurs orangées, moi, il me fait penser à l'automne. Voilà, là aussi, j'aime bien ce petit jeu. Voilà, je vais quand même vous montrer le livret. Oula, j'ai la petite carte ici de Stéphanie. Voilà, et le livre est en couleur. Voilà. Donc celui-là, c'est un auto-publié. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est toujours dispo, par contre. À voir. Alors, il en reste deux. Celui-là, j'avais trop envie de le ressortir. L'oracle de Procéliande de Chloé Toile. J'adore ce jeu. Il a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Hein, dans un beau coffret chez Grancher. Le livre, c'est juste, il est juste incroyable. Franchement, regardez, on tombe sur le lapin. Il y a plein de choses pour chaque carte, vraiment. Il est hyper riche. Regardez tout ce qu'il y a pour chaque carte. Bon, je l'ai présenté. Hein, si vous voulez en savoir plus, la vidéo est sur ma chaîne. Le dos. Les tranches, et j'adore les illustrations, vraiment pro. Et j'ai trop envie de retravailler avec lui, celui-ci. Regardez celle-ci, par exemple, le loup, celle-là aussi. Faut un peu penser à l'automne quand même, pas toutes, mais. Oh, et celui-là, il est vraiment magnifique, et le livre est juste incroyable. Voilà, donc celui-là aussi, je l'ai ressorti. Si vous voulez voir toutes les cartes et le livre, je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite. C'est possible qu'il y a des jeux que je vous ai présentés qui n'y a pas de review. Hein. Tous ceux que j'avais avant d'ouvrir ma chaîne, que j'ai pas eu le temps de présenter. J'ai commencé vraiment à présenter les jeux au moment où j'ai ouvert ma chaîne. Voilà, donc celui-là toujours disponible en mass market. Je vais y arriver. Et le dernier, pas des moindres, le gros bébé que j'ai déjà depuis un petit moment. Hein. Le fameux Nameless One. Tarot. Voilà, magnifique, hein, qui est comme ça dans un pochon. Voilà, en velours, très très beau. Rien que la boîte, elle vend du rêve, hein, avec son petit nœud comme ça. Wow. Je l'avais acheté celui-là neuf chez Nicolas au Salon des Arcanes. Voilà, regardez la boîte. Les cartes sont juste immenses. Voilà, vraiment immenses. Je vais vous montrer. Hop, et on a même du mal à les tenir en main, le dos. Tranche noire, et c'est un jeu avec des sigils. On a le certificat d'authenticité, et voilà. Bon, c'est vrai que c'est un jeu pour les arcanes majeures, ça va,
Pour les mineurs, il y a parfois, pour les personnages de cour surtout, un peu de mal à trouver les noms des cartes parce qu'elles se ressemblent parfois et vous avez à chaque fois un sigil. Et alors, je vais vous montrer après le grimoire. Celui-là, franchement, il vaut le détour. Bon, ici, clairement, pour la période sombre, j'adore ce jeu, je le trouve tellement beau. Voilà, ici par exemple, vous voyez, on a un peu du mal à trouver les personnages. Mais ici, par exemple, c'est l'as de bâton. J'adore, il est tellement beau. Oh, les couleurs ressortent bien en plus. Mais c'est un gros bébé. Hein. De qui il était lui encore? Je vais vous le dire, j'ai oublié. Son nom, pourtant, Xia Hun, je crois. Elle m'envoie pas souvent, enfin, elle envoie à tout le monde une newsletter. Avec ses promos et tout ça. Je me demande d'ailleurs si c'est belle. C'est pas elle qui avait fait le Children of Lita et le nouveau qui Ostara? Je sais plus. Ou alors je mélange mes pinceaux, c'est possible. Oh, il est beau celui-ci quand même. Faut avouer. Celui-là non plus, j'ai pas encore le temps de le présenter. Hein. En général, je privilégie. Enfin, ça dépend, c'est pas vrai. Pas toujours ceux que je reçois ou qu'on m'envoie, mais c'est vrai que parfois ceux que j'achète, je les présente pas toujours. Parce que je me dis que ceux-là, j'ai tout le temps de le faire. Hein. Par contre, celui-là, il a un certain coût. Hein. Et je sais que. Ouais, celle-là, elle est belle. Nicolas, d'ailleurs, avait dit du Salon des Arcanes qu'il en avait reçu. Il allait mettre des jeux, le grimoire et des combos en ligne, mais je sais pas s'il a déjà eu le temps de le faire. Mais en tout cas, il en a reçu. Si ce jeu vous intéresse. Il va en avoir de retour. Par contre, je crois que les deux, le jeu, on a ici le guidebook en couleur, hein, sur du papier glacé. Je crois que le jeu est dans les 100 euros et je crois que le grimoire aussi. Donc au final, pour le combo, on en a quand même pour 200 euros. Hein. Voilà. Mais le grimoire existe en PDF aussi. Payant, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le gros bébé. Je vais le ranger après. Et le fameux, l'énorme, et d'ailleurs les frais de port, ils étaient hyper chers. Le gros bébé qui arrive dans une jaquette. Je ne sais même pas comment je vais vous le montrer, tellement il est gros. Il est lourd. Et je ne sais pas combien il y a de pages, regardez. Je vais dézoomer, je crois. Voilà, comme ça vous verrez tout ce qu'il y a devant moi en plus. Je vais peut-être juste faire ça 2 minutes. Hop, et regardez avec ce sphinx ici. Franchement, il est incroyable. Mais il est lourd. Et il y a plein de choses pour chaque carte. J'ai aussi commencé à le traduire, mais j'ai aussi dû abandonner puisqu'on parle des sigils, des symboles sur chaque carte. Et il est super beau, quoi. C'est un magnifique objet, franchement. Voilà. Mais bon, il faut que je continue. J'ai plus trop le temps. Mais je sais pas combien il y a de pages. Oh, je fais des bêtises. Voilà. Quand je vous dis que j'ai deux mains gauches, encore une fois. Je vais vous dire, c'est une couverture en dur, hein, je voulais vous dire le nombre de pages, oui 700 pages, voilà. Et à la fin, voilà, regardez comme il est beau, oh là 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 là, mais il est lourd, hein, je vous le dis, hein, oui, il y a plein de tirages, il y a des correspondances aussi à la fin, il est hyper beau franchement, c'est un gros bébé, voilà. Voilà, ben, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ces deux vidéos du coup sur ma sélection de jeux pour l'automne. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez passé un bon moment avec moi du coup dans les deux vidéos. Vous me direz si on en a en commun, s'il y en a que vous connaissiez, d'autres pas, pourquoi pas. Et maintenant je penserai à vous quand je vais tout devoir ranger dans mes armoires. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.